بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نكملوا لي كلكو اسكيس لوتي دي اسكيس اللي بقاو pour compléter l'introduction à la toutes les fonctionnalités تاع لي اسكيس تقريبا. نعاودو نوفو بيس ou part en anglais. OK. Vue de face ou la vue de dessous, la de droite, l'essentiel, la face à ce liha. من بعد ان شاء الله نشرحوا لو شوا دو بلون ان فونكسيون دو كوا اون فا شوزير لو بلون سكو نبداو نرسمو على الدوسيو لا دروات ولا دو فاس و لو مومون كو ناسيو انتروداكسيون جينيرال يعني راح نحكيو ان ديسان ديريكت جوسكا سكون سو فاميلياريز او بلوتو اون سادابت افيك هاد لوجيسيال اسكيس باغ اكزومبل راح نكملو هاد لي فونكسيوناليتي ا لي اجوستمون اجوتي لي زونتيتي كونفيرتي زونتيتي لو ديكالاج la symétrie et les répétitions. Commençons par les ajustements. C'est pour ajuster les entités. C'est, par exemple, on a une ligne. On a un cercle. Même un cercle derrière. On a un dernier fait avant. Les splines. Un rectangle. Maintenant, on va rectangle. D'accord. Les ajustements, si on clique directement sur ajuster, est-ce que je n'ai la fenêtre plutôt que l'arbre là, un ajustement intelligent. Je mets ça en choisissant la première icône, c'est l'ajustement intelligent. On clique au chandelier, hada y a les entités. On y a ma bin notatin y a qu'on a la qu'il a on clique l'espace, on prend, on maintient le bouton du curseur plutôt de la souris, on على زر الفأرة ونفوتو لاحظوا بلي تخلي تراجيكتوار مسار وراها كي نحيسو بعيد تروح يروح المسار هذاك تراجيكتوار فا ديسباغيتر نعاودو اون كليك ونفوتو وين تلقى نونتيتي تقص تقص جو مانتيان نبقى ضغط على الزر ونفوت فوت نونتيتي اللي حاب نقصها نعدي عليها واللي حاب نخليها نخليها لي سبلاين سبلاين كي نكليكي على سبلاين يتقطع كامل سبلاين كيما راه اوكي يبقاو هاد لي زونتيتي صغار يبقى عندنا دي بوان دي بوان بور لي سوبريمي اون كليك سور لو بوان اي سوب دو كلافي ولا بلا دروات افاسي ولا سوبريمي داكور نعاودو بور لي اجوستمون عندنا بور لي لين Par exemple, on a les lignes. Ça, c'est pour les ajustements. Ajustement intelligent. Et notre deuxième choix, c'est les coins. Si je choisis coin, si je choisis la ligne, on va effacer les coins. On va dire. Si je choisis Hadi ou Hadi, on va éliminer le coin. Et si je choisis Hadi ou Hadi, Hadi, Mahadi, on va effacer les coins, le coin où il y a un binatum, mais bien Hadi ou Hadi, j'efface où il y a un coin. Si je choisis ajustement intérieur, je clique là. Avant, je vais dessiner d'abord les lignes, je vais tracer les lignes. Mais je vais choisir ajustement intérieur. Si je choisis entre cette ligne ou cette ligne, tout ce qui est à l'intérieur, je clique ici, voir que c'est tout. Hop, il va disparaître. Si je clique là, rien ne se passe. Seulement à l'intérieur. Si je choisis à l'extérieur, par exemple, la ligne Hadi,
et sont déjà sélectionnés, désélectionnés comme ça. Et je vais remettre ça. Retour en arrière. Ajustement. Si je choisis ajustement ou non intérieur, si je choisis Hadi ou Hadi, en cliquant sur les lignes Hadou, il supprime tout ce qui est à l'intérieur entre ces deux lignes. Shilimabin, l'ajustement intérieur, soit je clique à gauche ou là à droite, tout ce qui est à l'intérieur entre ces deux lignes, le second le côté Hadalimna, il va disparaître. Sélectionné, je désélectionne les deux lignes et je choisis Nord en arrière pour bien expliquer ajustement intérieur. Je choisis par exemple la ligne Hadi ou la ligne Hadi. Si je choisis la ligne Hadi, la première ligne, la ligne qui est entre ces deux lignes, c'est mal le khat li koun ma bayn hadr khatayn li khtartom hin yitqatou fi nnos haka haka même à gauche yrahou fi nnos d'accord na'adou nouliou لانه هاد لي زاجوستمون قداه واحد ما يعرفش يستعملهم يطلب منا يقولنا كيف نستعملهم لي زاجوستمون ا ليكستيريور. Je choisis les deux lignes hado. Si je choisis la ligne hadi, tout va disparaître ce qui est à l'extérieur. Les lignes les sélectionner. Alors, des ajustements. Ben, que c'est faux ajustement. Alors, point essentiel. Maintenant, convertir les entités. Je m'attends à convertir les entités. Hadi. Je m'attends à convertir les entités. Hadi. Andana, par exemple, on a une esquisse. Alors, on a une esquisse. Esquisse. On a une esquisse. Par exemple, esquisse. Hadi. On a esquisse. Hadi. On a esquisse. Hadi. On a spline. D'accord? Un ajustement plutôt un ajustement un ajustement par exemple un chèque là exemple كان الشكل هذا ما نقدرش نعاود نرسمه لانه خرج لنا من دوتر فونكسيوناليتي دوتر ديسان. انا بشكل حاب نطبعه على في منطقه في مجال في مكان اخر على سطح ولا على مستوى مثال فونكسيون حنديرو حن اون فاكري نوفو بلون بلون سي لا كرياسيون دو نوفو بلون جو في شوازير ان بلون نعطيه ديريكسيون. Le choix du plan, on va l'expliquer dans une autre vidéo, ma les fonctions. Ok. Plutôt. Il nous reste un autre plan. C'est mon plan 1. Je peux le renommer. Plan d'essai. Exemple. Un plan d'essai. Plan à la c'est ce le plan là. Il est apparent, on peut le cacher en cliquant sur cacher, ils vont cacher. D'accord? On va le faire apparaître, le montrer. En choisissant l'esquisse, ça dit convertir les entités, par exemple. Convertir les entités. Sur le plan radar, on va dessiner une esquisse. Convertir les entités. Quelle entité à convertir? Je vais convertir Hadi, ou Hadi, ou Hadi. Ok, d'accord, l'entité, je veux convertir toutes les esquisses avec toutes les entités, je choisis convertir, par exemple, je vais convertir Hadwork, ok, si on veut convertir, on va choisir le plan sur lequel on va dessiner, esquisse, on va choisir convertir les entités, toute l'entité. Hadi, Hadi. Ok. Je vais le faire à 9 chèques. Nous avons un sotah moyen, mais
عندنا سطح سطح معين وبعد رسمنا sur notre plan on dessine sur notre plan par rapport à هذا رسمنا شكل معين في البلان هذا في البلان هذا رسمنا شكل معين بعد هاد البلان هاد الاشكال هادو حابين ندير كونفيرسيون على السطح هذا جو شوازي اسكيس على السطح هذا convertir les entités convertir les entités à l'entité allez les entités dans mes entités trop tôt là les lignes ou les points ok voilà dans la conversion entité on peut cacher on peut cacher les esquisses avec le plan, on peut le cacher, on va garder ça, une forme 3D par exemple, d'accord, là il faut convertir les entités, je fais les ajustements, les esquisses, les ajustements, je vais convertir les entités, maintenant on va voir décalage. Par exemple, on a une esquisse, d'accord. Donc, on a une dimension, 150 mm, 100 mm. Celui qui va demander pourquoi on a choisi mm, c'est parce que ici, maintenant, les unités, mm, grammes, secondes. Sinon, je choisis centimètre, grammes, secondes. Sinon, mètre, kilogramme, seconde. Si je choisis pouce, livre, seconde. Si je choisis, il a qu'un certain la norme, il a le chrome bien. Ça va, on va la trouver ici. Là, un af là, c'est en norme ISO, c'est millimètre gramme seconde. Là, dès qu'il a dit décalage, on va dire l'esquisse, mais on ne cherche pas. On peut pas faire un décalage. Il faut dire l'esquisse, éditer esquisse, décalage, je vais choisir les entités, je veux les décaler à distance de 10 mm. Maintenant, l'entité a dit, voilà, Adif SolidWorks, il va détecter automatiquement les lignes fermées, les esquisses fermées. Il va détecter automatiquement. Maintenant, je vais choisir la côte, plutôt le segment, automatiquement puisqu'elle est fermée. Un décalage de 10 mm, sinon de 20 mm. 30 mm, un décalage. Maintenant, si je choisis 30 mm, si je prends la côte, il y a même une 30 mm. Maintenant, ça donne un décalage de 30 mm. Bonjour. Quel est le hasard? On va faire un décalage des entités. On dirait vers l'extérieur, inverser la direction. Et là, du troll. Là, tu oublies 30. Quand on dit 40, par exemple, 40, je suis là. 40, 10, 50. 60. Quand il dit 60, goul ok, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la distance là, déjà la distance entre elle et elle, on a 50. Déjà elle est 50. Maintenant, je ne peux pas faire plus que 50. Même 50, moi, cela, et atteint un point. D'accord? C'est décalage des entités vers l'intérieur et l'extérieur seulement en inversant la direction vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Faut bien choisir le décalage. Ok, je veux choisir. Ben, dis-je un décalage ou d'accord. Même qu'il qu'on a des formes un peu spéciales, Mais neuf la forme fouga. Là, je peux utiliser décalage des entités vers l'intérieur ou là vers l'extérieur. D'accord. Puis maintenant, le décalage des entités. Sortir, supprimer. Dans cette cas-là, on va voir la symétrie. On va voir qu'on va faire une esquisse. On a des esquisses, des dessins. On a un point, des points. On a des lignes. On va faire une symétrie
par rapport le point d'interaction, on va dessiner une ligne de construction. Une ligne de construction. On déroule une symétrie, plutôt un sharp, déroule symétrie. Pour symétriser, ici, on va choisir la symétrie par rapport à l'axe de symétrie. L'axe, on va choisir l'axe là, il a choisi la ligne Hadi. Et après les entités, je vais choisir Hadi, Hadi entité, Hada. Ouhdou segment Hada, Ouhdou entité. Je vois en jaune ici. Hadi, il faut bien choisir les entités. Le point, rouge le point. Le point est une entité. Hadou kem l'esquisse, ou Hadou c'est les entités. C'est pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'une entité? Il a besoin de désélectionner. Je le détaille. Il va s'activer avec une ligne gras, en mode gras. Je veux supprimer. Je vais supprimer. Il va disparaître maintenant. Supprimer. Ok. Là, on a une symétrie. Je crois. Mouchmenta. اني كيخير لين دو كونستركسيون ما عندها هي ما نقدرش نخير اون لين ديريكت كون تكون هذه لين نعاود نذكروا ردوها لين كونتينيو اون بو فير اون سيميتري بارابور اون لين هذه ما عندها سيميتريزي جو في شوانسير توت لي زونتيتي هادو بارابور ا لا لين هذه سا فا سو سيميتريزي عادي شو في حال ما يكونش عندنا اون لين ديجا داخله في الديسان تم نلجؤوا باه نرسموا. On est obligé de dessiner une ligne discontinue, une ligne de construction. Je peux changer. Je vais choisir toutes les entités symétrisées par rapport à cette ligne. On va non, mais par rapport à cette ligne, je vais supprimer la ligne Hadi, mais par rapport à la ligne Hadi. Hop, à la direction, vers la direction. Maintenant, on peut, je vais désélectionner, je vais choisir la ligne Hadi. Maintenant, il nous faut seulement une ligne pour symétriser, c'est tout. C'est-à-dire la symétrie. Donc, maintenant, quand on a une répétition, décalage. Par exemple, répétition, on a des esquisses. On va dessiner une esquisse. Par exemple, on va dessiner un rectangle 300 mm et 200 mm. Par exemple, on a plusieurs toits. On a des cercles. Un cercle de diamètre de 15 mm. D'accord. On a une distance entre ma bin hadi ou hadi de 30 mm. Ou ma bin hadi ou hadi. On a une distance. Ma bin hadi ou hadi. On a 30 mm. D'accord. Maintenant, la cotation de la couleur. واش بقاتنا هذه لو سيرك حابين نديرو اون ريبيتيسيون حاب ندير بليزيور سير باغ اكزومبل 10 منا و 15 و 5 منا ولا 11 منا و 5 منا حاب نعاود ندير بزاف هذه لا لين كامله نديرها تروي واش اون ماتريس شغل اون ماتريس واش نديرو ريبيتيسيون لينيير واش معناتها يقول لك شوازي لونتيتي سير جو في كليكي على هذه لونتيتي ولا هنا سولون لاكس اكس ها لاكس اكس اون روج لهنا لي سيليكسيون اون روج لهنا اون روج اكس L'axe X, la distance entre l'entité Ouhadi Ouhadi, c'est 10 mm. Ou il y a 15 mm. Maintenant, le centre, 10. Maintenant, il prend 5 mm. Mais derrière, quand on a 15 mm, là, j'écris 15 mm. Ou je souligne, et qu'on gaze la tangente. Par exemple, la distance bien sûr, on va dire 25. Par exemple, 25. 25. Mais bien chaque cercle, ou la trou, qui est 5 mm. لهنا قداه لو نومبر هنا هنا اسباسمون دي كوتو اكس ولهنا سي لا كونتيتي دو 3 4 لهنا 3 2 1 ان سول ما يكونش عندنا اون ريبيتيسيون 2 3 4 5 جو في فوار 6 7 8 9 10 11 باغ اكزومبل 11 في نفس الحاله في نفس وهنا نقدر نعكسو الاتجاه لهنا انفيرسي لا ديريكسيون انا نحتاجها في لا ديريكسيون هذه la direction les flèches hado ma'anta c'est inverser la direction dans le sens ça igalak je peux faire une répétition sans quitter la fonction ana naqdar ndir OK tbqa hakka men ba3 ndi naoud ndir répétition linéaire je vais choisir hado kamel hadi 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 hadi
je peux choisir plusieurs entités. Ou maintenant, je vais fixe. On trouve le tige de Y. Y, j'active Y et je dis 2. On a la distance. Là. Par exemple, le 20. Le 25. 3, 4, 5, 6. Ok. On va donner une répétition. Deux fois. On peut utiliser directement la fonction pour avoir la forme trouée. Une seule esquisse. Il y en a une seule esquisse. Très bien. Le dessin. C'est la fonction répétition linéaire. On va la répétition linéaire. Éditer esquisse. Je vais supprimer. On a dire la répétition linéaire marra wahda. Maintenant on va faire répétition linéaire, l'entité a dit 4 5 6 7 8 9 10 11 12 on dit 11 binaton 20 ou la 25 ah, plutôt 25 non on rouh lehna fi nefs la fonction bla ma nkhrouj lehna je clique sur y 2 3 4 5 6 7 8 on dit un espacement par exemple de 20. Exemple. Ok. Et 9 c'est la fonction. Bon, on va faire la fonction ali pour avoir la plaque trouée. Ouais. Pour la répétition circulaire. La répétition circulaire, on a par exemple, que si on dessine par exemple un dessin directement là, on va toujours par le cercle, c'est le plus facile. Je dessine un cercle. Après 40. D'accord. Je vais dessiner, mettre le point là, le point là, le point là. On a besoin pour la description, c'est la fonction ali. D'accord. Si je fais répétition circulaire, répétition et ada d'aérien circulaire, je choisis là, paramètre, je vais choisir le point sur lequel je vais faire la répétition linéaire. Maintenant, dire une révolution d'aérien. Je choisis par ali. Automatiquement, suivant, je suis dire. Le point de détecter, c'est le repère. Si je ne choisis pas un autre point sur lequel je vais faire la répétition linéaire, automatiquement, ce niveau, il va choisir le centre, c'est le repère. Maintenant, j'ai choisi 360 degrés, espacement constant, automatiquement, ce niveau, ça va être 60 degrés. Dire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui m'a dit. D'accord? Ok. Là, non. De toute façon, c'est là. Naoudou. Rejoins. Éditer. Naoudou. Là. Fania, هو répétition circulaire. On a هذه automatiquement هنا. Mais dire sur 360 degrés, mais dire sur 180 degrés. Mais dire, il y a 180 degrés. Mais tu as déjà le حدود تاعو هنا 180 degrés في اتجاه هذا. عكس اتجاه هذا منا. C'est toujours ديما vers la direction. D'accord. Là, on a un ordre 360 degrés. C'est une درجة. Le point je vais choisir un autre point, je vais supprimer هذا ou je vais choisir le point هذا. D'accord. Ok. Maintenant les points sont des points sur lesquels je vais faire la répétition linéaire. Automatiquement sous le bloc, je vais choisir le repère, l'espace de travail, sinon je choisis moi-même le point sur lequel je vais faire une répétition linéaire. Où je mets cette linéaire, moi je mets les cercles, maintenant je peux faire n'importe quel, je peux dessiner n'importe quelle esquisse. Allez, forme elliptique, d'accord, et je vais faire la répétition linéaire. T'as les entités de câble. Allez, ma l'ellipse. هذا
Et je vais faire carte 5, 6. Ok. Maintenant, la répétition des lumières, ça ne concerne pas seulement les entités circulaires, mais tout type de. Ok, fonction. Ok. Attends, je chèque là. D'accord. Jusqu'ici, ça va, nous avons presque vu, presque une, prenant le décalage là, ou la copie, prenant justement là, pour justement là, notre limite de nage. Prenant les congés, mais une chauffe congé là, c'est quoi un congé ou les chanfreins? Là, par exemple, là, 200 mm. On dit là, 200 mm. Là, je vais faire soit un congé. Oh là, un chanfrage. Qu'est-ce qu'un congé? Congé, esquisse. Je choisis le coin là pour faire un arrondi. Arrondi, il y arrondi, mais j'ai fait une courbe. D'accord? Soit je choisis une ligne, deuxième ligne, ou je choisis l'angle là, le rayon là de 10, de 20, de 30, de 40. Ok? Maintenant, c'est un congé. C'est un congé en mécanique. C'est un congé, c'est mes congés. Ou là, je choisis directement congé. Je choisis juste le point. Il va détecter automatiquement ce box. C'est l'intersection des deux lignes. Des deux lignes. Il va faire automatiquement l'arrondi. On va choisir l'angle ou le rayon. C'est le cercle, c'est le congé. Okay? Qu'est-ce qu'on appelle aussi? Chanfrein, qu'on a marque chanfrein, congé, si je choisis congé, je peux choisir plusieurs points, en même temps, qui ont le même angle, bien sûr. On ne va pas choisir un angle, qui est bizarre, à l'oiseau, ou les conserver bizarre, à l'oiseau. D'accord? 0,1, on va choisir, il a réalisé 0,1, mais ça va bizarre. D'accord? Par 10 mm, on va choisir tous les points. Sinon, je choisis une sélection, je sélectionne comme ça. Il va détecter automatiquement les coins où il confirme, laisse me confirmer un congé. Okay. Délicat pour les chanfreins. Chanfrein, je choisis chanfrein. Chanfrein, qu'est-ce que ça fait le chanfrein? Chanfrein, c'est. Il va chanfreiner, il va faire un ajustement d'un angle ou de distance. Je mets cette distance. Hein. Il va faire 45. On va choisir parce qu'il y a un angle de distance, c'est 45. Je mets ça. Maintenant, il va faire 45 degrés. On va trouver 45 degrés. Allez, allez. وخلنا مسافة من لهنا 10 ومن لهنا 10 خلاص دار اون كوبير كذلك في اونجي ميكانيك هادو في لي شونفرا لي شونفرا تيستعملو في لي زاجوستمون ولا باه بور اسومبلي دو بياس و لي زاروندي اوسي كاين يستعملو بور نو با افوار اون اريت تما حادة كون عندو زاوية حادة وهذا سي بور لي زاجوستمون باه يدخلو باغ اكزومبل اون بياس في نوتر بياس يستعملو باغ اكزومبل هذا dans d'autres fonctionnalités. C'est ce qui concerne les congés et les chanfreins. D'accord? Maintenant, les fonctions. On va parler des fonctions.